Bon alors, c'est qui toi? Commandant Nial. Attends, mais j'ai déjà battu un commandant Nial, non? Il invoque des mecs lui. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je suis mort. Ah oui, il fait chier. Ok mec. Ah. Waouh. Waouh. Ok. Attends, mais j'ai pas battu déjà le commandant Nil là? Le commandant Nil, j'ai déjà fumé lui. Ah, c'est son frère. D'accord. Attends, mais c'est trop relou. Attends, j'ai trop la flemme de courir partout et d'essayer d'aller le chercher là. Ça pète les couilles. Bon, ça va en vrai. Je vais juste courir. Vas-y, invoque tes deux cous là. Je tue l'autre, il a l'air de taper plus. Ouais. Oh. Merde. Putain, j'ai grillé la weapon art. Ok. Il a l'air chiant. Le commandant Dian, il a l'air d'être très très chiant. D'autant plus que la course qu'il faut pour venir le chercher, ça pète les couilles. Voilà, je le dis, ça pète les couilles. J'ai pas un chemin plus rapide pour aller chercher? Je sais pas, j'ai peut-être un chemin plus rapide pour le chercher. Passons par là peut-être. Ah si. C'est plus rapide par là. Moins risqué. Et merci à toi, Freedom 7, pour ton deuxième mois d'abonnement. Freedom, merci à toi. De moi. Hello. Alors, commandant Nil. L'autre va me sauter dessus. Les buffs. Ah merde. Ah putain. Ok. Il fait beaucoup d'AOE. Et il tape un petit peu dans le dos avec son coup de pied. Ok. Ok, j'ai capté. Merde. J'ai récupéré ma potion, attends. Trop chier lui. Juste courir en fait. Ah putain, mais il m'a encore pété ma potion, le con. Il me pète les couilles lui. Et j'ai un oiseau qui va me faire chier là. Ah non. Putain, je dois le faire sans ma potion. Casse les couilles. Quelques hits quand même.
Oula. 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 Il y a l'autre qui est arrivé qui m'a rush la gueule. Le deuxième soldat, il m'a bien fait chier. Après, je sais pas si c'est plus fort que le commandant O'Neill. Genre, il est certainement plus fort parce qu'il est plus haut niveau, etc. Mais j'ai l'impression déjà qu'il fait beaucoup moins d'invoques. Bon, après, bon, c'est peut-être juste le début aussi. Hein. Peut-être que là, je suis en train de me faire bait par le fait que il a pas grand-chose pour le moment. Est-ce que je vais faire descendre le truc? Putain, je vais pas faire descendre le truc. Fais chier. Mais fais chier. Perdu mes runes parce que j'ai oublié de faire descendre le truc. Il m'a poussé avec son coup de bouclier, j'ai roll, du coup ça m'a baisé. Casse les couilles. Tant pis. Et une échelle sinon. Comment ça, une échelle? En vrai, là, juste monter là, c'est 10 fois mieux. Monter là. Cette fois-ci, j'ai fait descendre, c'est bon. Wesh, descends. Merci. Alors, bouffon, tu fais quoi? Ah là. En vrai, ici, c'est pratique, hein, le chemin est bien ici. Est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai le temps. Oh, j'ai plus d'énergie. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard! Le coup au sol, into coup d'épée du petit soldat, me one shot. Mais du coup, le commandant O'Neill, je peux lui mettre double auto, weapon art. C'est bien. Double auto, weapon art, c'est vraiment, vraiment big. Mais quoi? Wesh La téléportation dans le dos, into backstab. Non, c'est de la folie. C'est de la folie pure. Du stream jusqu'au match de la FL. Du stream jusqu'à environ 16h. Environ. Ce qui est pas mal déjà. Ça fait quand même quelques heures. Peut-être un peu plus, ça dépendra de là où on en est. Si j'entends le bruit de téléportation dans mon dos, hein. Je roll. Je roll direct. Non mais vas-y, le pigeon a pété mon shield. Change le feu et prends celui d'en haut. Mais celui d'en haut, il n'y a pas de feu en haut. C'est l'église, il est là. Tant pis, ça me permet de prendre de l'XP sur le mob, c'est le plus important. C'est attaque sautée. Deux coups. Weapon art, recul. Peut-être même... Trois coups. Trois coups au cul peut-être. Oh le bâtard. C'est trois coups weapon art. Je vais tenter le trois coups weapon art. L'église c'est plus proche. Mais là je spawn à l'église. Je suis dans l'église. Je fais pas un détour lui passer par l'église. Non parce qu'en passant par l'église, regardez. Le chemin que je prends en passant par l'église. En passant par l'église, ça me fait faire ça. Et en fait, il y a beaucoup de mobs qui peuvent arriver, qui peuvent me casser la gueule. Donc, je dois passer par là. Ok. J'arrive là. Je passe, du coup, là-dedans. Je remonte. Je fais le tour. J'arrive là. Je passe là. Et il y a les deux mobs qui sont là. Plus les mobs qui sont là. Après, dans l'idée, je peux juste courir tout droit. Ça a l'air d'être ok, hein. Mais je sais pas si je gagne du temps. Mais personne te tape. C'est vrai que personne me tape par contre. Ça, c'est pas fou. Une passion trop tôt.
Aïe, aïe. Après, ça a l'air plus chill. Enfin, ça a l'air plus safe, c'est vrai. C'est, je pense un peu plus long, mais je pense plus safe. Donc, au final, est-ce que c'est pas trop grave? C'est bien comme ça. Allez, on y va. Après, je joue aux Dark Souls, je connais rien à la souffrance de marcher. Moi, marcher, ça me pète les couilles. Oui, c'est vrai, c'est large, en fait. Vous avez raison, hein, c'est 10 fois mieux. Hein. Moi, là, je suis sûr de jamais perdre le shield. Donc, 3 hits. Je vais tenter le 3 hit weapon art. Non, 3 hit weapon art, c'est trop. Pas de bonbonnard, c'est trop du grid de fou. Aïe. 3 grid, 3 coups weapon art, c'est trop, c'est 2 weapon art roll. Ok. Je fais des tests d'opener. Toujours important d'essayer de voir un peu. Quel est le moyen le plus rapide? Allez, on y va. Quoi? Mais toi, tu dois aller te faire foutre. Pourquoi t'es là, toi? Mais laisse-moi tranquille! C'est une église, c'est un lieu sacré! Redonne-moi mon shield, il est fou, lui. Mais c'est un malade, ce mec! Il veut pas lâcher le steak, le couz! Il a un compte à régler, mais il me déteste trop, hein. Il me déteste trop, c'est une folie. Mais quoi? Non, ça c'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu, ça. C'est quoi ce bordel? Non, mais... J'ai jamais vu ça de ma vie! Le mec m'a tapé à travers le truc du boss! Les mobs dans ce jeu, j'avoue, c'est des harceleurs de fou! C'est des harceleurs de fou! Est-ce qu'il est encore derrière moi, le con? Non, il est pas derrière moi là, c'est bon. Il a lâché. Oh non, il a pas lâché du tout! Je rends l'instant, voilà, pour éviter de me faire baiser bêtement. Oh là, attends, direct. J'ai pas le temps de roll. Oh, j'ai pas le temps de roll. What the fuck. Putain. Quel soldat de merde. Bon, au moins là, cette fois-ci, le harceleur m'a lâché. C'est bon. À bas le harcèlement, c'est fini. On peut partir. Qui casse ce soir? Tout le monde casse ce soir. Vu que c'est un BO5, en gros, on va s'alterner. Donc ça va être cool. Merde.
Hein, what? Bon allez. Il veut les buffs. Y'a plus rien à buff, mec. Oh merde. La congélation. On va appeler la foudre après. Oh merde. Trop tôt. Trop tôt. Gérald trop tôt. Il a mis l'éclair sur son pied. Ah mais il est amputé en fait le mec. J'ai pas capté. Ouah c'est trop cheaté. Il s'est mis un pied métallique pour appeler la foudre et la mettre dans ses pieds. Putain c'est broken. Trop malin ce mec. Tellement longtemps qu'on a pas fait de BO5, c'est vrai, ça fait longtemps. Mais en vrai, ça va faire plaisir de voir un petit BO5. J'espère qu'on va gagner, tu sais, genre un score genre 3-1, tu vois. 3-1, ce serait une victoire convaincante, ce serait chill. Et ça fait assez de matchs, assez de content. Tu vois, on n'a pas besoin d'un 3-2 disputé jusqu'au bout, non, nous ça nous va. 3-1, victoire, on est content. 3-0 même, on est content, hein. Mais après, 3-0, ça fait pas assez de contenu. D'endurance. Oh putain, je savais pas que c'est ça. Non, je vais le tuer lui et barrer après. Le problème, c'est que mon endurance, c'est vraiment le truc qui me porte défaut là depuis tout à l'heure. Ce sera contre LDLC le content, hein. J'avoue, 3-2 en finale, 6-1 de la France, OMG, mon rêve. Il joue quand la Kakorf Xarthos, toi t'es trop mal intentionné toi. Toi, t'es trop mal intentionné, toi, je te vois. Je vois. Qu'est-ce que tu caches derrière cette question? Qu'est-ce que tu caches? Le match de ce soir est qualificatif aux EM. Non, c'est pas ce soir, c'est semaine pro si on gagne. C'est deux BO. Il faut qu'on gagne ce match et le BO face à Géo. Non, la roll. Oh, j'ai pas d'énergie, putain! Lâche ça, garçon. Mais. Oh, faut que je roll vers la gauche. Faut que je roll vers la gauche. Soit je delay ma roll, soit je roll vers la gauche. Mais dans les deux cas, ça passe. Il y a quand même une frame de dodge qui est assez grande. Petite nocturne, Resident Evil 4 remake demain soir à minuit. En fait, demain soir il y a le summit, donc demain soir je vais pas pouvoir commenter, enfin faire Resident Evil, vu qu'il y a le summit qui est commenté. Mais je le ferai peut-être, ouais, peut-être semaine pro en vrai. Je voulais faire ce soir, mais je me dis si je fais ce soir, je vais être KO pour demain et tout, et il y aura peut-être pas de matinale demain si je fais ce soir, donc. Non. Merde. J'ai appuyé R1 alors que je voulais faire L2 R1. Et L2 R1, ça me permet de toucher les deux soldats. J'étais trop bien. Ouais, je par contre. Vous acharnez pas sur mon cadavre, les gars, je suis déjà plus là. Hein. Doucement. Doucement, les gars. Oh. Ils sont trop énervés. Allez, on y va. Le commandant Neil, on va le fumer un peu là, on n'en peut plus là. Bon, au moins ce passage est très safe, j'ai pas perdu mon shield depuis tout à l'heure, c'est très bien. Merde, attends, cours. Par contre, si je ne cours pas... Il y a juste un moment où il y a un mob qui m'a attrapé à travers le mur, mais bon, ça c'est bizarre. C'est juste un bug.
Aïe. 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 Roll. Roll. J'ai plus rien. Aïe. Quoi? Il m'a tué juste avec son attaque au sol, le soldat. J'y crois pas, frère. Parce que le boss en pur solitaire, il a pas l'air d'être si chiant que ça. Le boss avec ses invoques, il pète les couilles. Des fois, je sais pas pourquoi, des fois il me voit, des fois il me voit pas. Bon. Mais tu dois vraiment le noyer le grand fou, ça me fume. Abuse de la difficulté pour ton premier, pour t'en faire sous le même temps. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend dans la difficulté. C'est lourd. Ouf, je vais me faire avoir. Allez, un peu d'énergie. Oula. Je dois jamais mettre d'attaque comme ça. Non mec. Il essaie de boost ses alliés. Faut pas que je me fasse congeler. Attends, mais là je peux lui mettre. Là il va me sauter dessus. C'est quand qu'il est stun ce mec? Ah ouais? Merde, le coup au sol m'a tué. Fuck. Allez, on y va. Prendre des baies pour dissiper l'effet de gel. Ouais. Ouais, le gel, j'ai pas l'impression que ce soit si dérangeant que ça pour l'instant. J'ai l'impression que c'est ok en tout cas. Moi, ça me choque pas. Il est moins chiant que la volatile funéraire. Oui, je pense que ça va. Plus que j'arrive à ne pas troller mes trucs, que je fasse que des attaques strong, faut pas que je fasse d'attaque light. Et comme ça, moi, je peux vraiment le fumer. Aïe, 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 aïe. Les mecs, doucement. Oh là, oh là. Ça en fait des trucs au sol, là. Attends, les deux en même temps. Dommage. Aïe. Ah, merde. J'étais bloqué dans le mur, là. Ok. C'est lequel est cool en moins de 15 try. En vrai de vrai, je pense que j'aurais pu si seulement j'avais full focus sur les invoques. Je pourrais. Mais j'essaye de commencer en mettant 3000 de dégâts dès le début. C'est pas anodin. 3000 de dégâts, c'est bien. OMG, merci à toi Zora399 pour tes 5 subs offerts à la communauté. Gros bisous à toi, Zora. N'hésitez pas dans le chat, faites des gros bisous à Zora. Évidemment pour les 5 subs offerts. Toujours. Des gros bisous pour les 5 subs, hein. C'est la norme ici. T'as déjà abandonné un boss pour venir dessus plus tard? Non, jamais. Enfin si, une fois les gars, oui. Allez, roll the route. 811-bas à moi. Un peu d'énergie, pitié. Ok, big. Arrête, lâche ça. Oh, je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Mais mon Getsuga l'a pas touché. Ah, oh, je suis dégoûté, je pensais le tuer. Du coup, après, j'aurais pu me focus sur l'autre facile. Et il m'a fait une attaque circulaire. Il m'a déchiré. Merci à toi, Wide. 111 aussi pour ton save grâce à Touch Prime. Grand merci à toi.
Allez. Mon weapon art vertical va plus loin que l'horizontal. Ouais, je sais, mais... Mais je voulais toucher les deux. Et avec le vertical, je n'aurais pas touché les deux. Un défi, pourquoi t'es en slip? Ouais, mon défi c'est de rester en slip. C'est pas une blague, c'est premier degré. C'est réel. Non. Bien. Ok. Oh. Oui, j'avais oublié qu'il y avait un boss. Oui, c'est vrai. Commandant Nil, pardon, excusez-moi. D'habitude, j'ai le temps de tuer les deux avant. Chaque fois que je passe, le boss le plus horrible. Bah écoute, c'est parce que c'est les boss sur lesquels je galère le plus. C'est normal. Mais c'est un boss à la con quand même. Hein. C'est vraiment un boss à la con. En fait, les boss qui mettent des invoques, ça pète les couilles, voilà. Les boss multiples, laissez-moi en 1v1 bonhomme. Comme ça, je suis bien, je suis tranquille. J'essaye de les déchirer. D'ailleurs, faut que tu m'envoies les séries de type The Glory. Hein. Surtout, c'est vrai que je t'ai pas répondu, mais je suis preneur. Je prends le hit derrière. Oui, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais le prendre. Je l'ai entendu derrière moi, je me suis dit, c'est la merde ça. Oh putain de merde. Non, jamais remettre. Oh, je... Mais lâche ça. Continue à critiquer ces vieux boss quand tu affronteras Millenia, tu verras. Ah oui, Mélanie, ouais. Ah, t'inquiète, la petite Mel. La petite Mel, ça va être une galère, mais on va y arriver. Ça va nous prendre le temps qu'il faudra, mais on y arrivera. En fait, ça dépend à quel point je lui mets des dégâts, tu vois. Si je vois que je fais zéro dégâts, ça va être un cauchemar. Déjà que je fais des bons dégâts, ça pourra passer sur Mélanie, ouais. Là, faut que je régénère un peu d'énergie. Ouais, c'est que ça va trop loin ce truc. Putain. Quoi? Je l'ai pas stunt! Par contre, je ne connais pas de Malenia, hein. Moi c'est Mélanie ici. Mélanie est fortisex et lancex. Des dragons très réputés pour leur niveau de jeu. Allez, les deux en même temps. Dégoûté. Là, j'ai les deux en même temps. Putain, j'avais les deux en même temps. Dégoûté. Aïe. Oh, mais vas-y, quand il y en a un qui me tape, l'autre me déchire. Vas-y. Ils se font des passes comme les frères Derek. C'est bon. Hein. Omar supérieur à Mélanie in my book. Allez, Omar, hein, comme il cassait les couilles, les Omar. Après, le problème de ce boss, c'est qu'il y a un chemin, tu vois. Si jamais j'arrivais directement en face de lui, ça irait. Là, utiliser les deux, c'est relou. Là où j'ai utilisé la mini pour ce boss, faible que je suis. Mais de toute façon, il n'y a pas de honte. Comme je l'ai dit hier, il n'y a pas de honte. Tu joues au jeu comme t'en as envie. Si tu veux jouer magie, mimique, full incantation, full buff, etc., tu le fais. C'est fine. T'es pas obligé d'être un connard comme moi qui se balade en slip. C'est ok, hein.
Y a pas de mal à ça. No shame on Vogue, il sait exactement. Hein. On n'est pas le mec qui va faire le puriste et tout, frère, c'est mon premier jeu. Qu'est-ce que je vais faire le puriste avec toi? Ok, y a de la neige là, qui arrive partout. Non. Ah mais normalement l'attaque sautée ça stun aussi. Normalement l'attaque sautée ça stun aussi et là ça l'a pas stun, je suis dégoûté. Parce que je sais que mon attaque ou mon weapon art stun, ça c'est sûr et certain, ça break la garde. Mais non, mon attaque sautée aussi. Après, en vrai de vrai, le gourdin, ça fait mal, hein. Le gourdin, moi, je trouvais que ça faisait super mal, hein. Ils ont de l'hyper-armor sur leurs attaques, ah ouais. La super-armor, moi, j'appelle ça. Allez, donne-moi un peu d'énergie, pitié. Voilà. Oh putain. Faut que je tape les deux. Quoi? Oh, je suis pas mort! Oh putain, j'ai cru que j'étais mort. Ok, mec, j'arrive. J'arrive pour toi, mec. Oh merde, il va me congeler. Vas-y, appelle les éclairs. Vas-y, c'est bon, frère. Fais ta foudre, fais ta zumba. Ah merde. Quand il tape au sol, ça fait des dégâts aussi. Ok, bon je le saurai après. Je pensais juste que c'était quand il sautait que ça faisait des dégâts. Mais en fait, il tape au sol avant de s'envoler. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Et c'est vrai, à partir du moment où t'as acheté le jeu, t'en fais ce que tu veux, hein. Si tu veux jouer au jeu en mode full vigueur, full mana, full invoque, full magie et tout, frère, fais-le, hein, t'as payé 60 balles quand même, t'as le droit. Il n'y a pas de honte. Et du coup, c'est quoi le patch note 1.09? Il y a des trucs intéressants pour moi ou pas? Ou OSF? Comment ça doit être trop frustrant de se faire perma OS? Je sais pas quand tu fais ça. Ah, écoute, moi, j'aime bien la difficulté. Oh merde, oh merde. Oh là, laisse-moi pitié. Je suis bloqué. Pas touché, dégoûté. Comment ça, j'ai pas touché mon ref? Putain, j'aurais dû reroll. Ok. En fait, faudrait que j'arrive à le tuer en deux weapon art. En fait, il faut que je lui fasse deux weapon art verticales. Une auto, mort. Mais le problème, c'est que pendant ce timing-là, il faut que je fasse attention au deuxième soldat qui peut lui aussi me tuer. Il faut un point de force en plus pour le double weapon art. Ouais, c'est possible. Il ne manque pas énormément pour le double weapon art. Après, je pense que c'est intel, non? Pour les dégâts du weapon art. Je sais pas sur quoi ça scale exactement. C'est que l'intel, ok. Mettez-vous en ligne. Merde. Merde. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quand il commence à t'enchaîner le con, t'es pas heureux. Allez, ça va le faire.
C'est pas plus easy de trade un soldat au début plutôt que le boss. Ouais, je perds quand même 3000 de dégâts, c'est énorme. Et c'est vraiment des free damage quoi. Après, c'est vrai que je pourrais tuer un soldat dès le début, mais le soldat, dans tous les cas, je pense pas pouvoir le tuer dès le début. Je peux essayer. Je peux essayer sur celui de droite à la nuit. Ah, tu vois, le temps qui spawn. En vrai, c'est peut-être pas trop mal. C'est peut-être la take, hein. T'as peut-être raison. Quoi? Il a le temps de me taper? C'est peut-être la take. Je vais retester en tuant un soldat avant. Parce que c'est vrai que les soldats, c'est vrai que c'est eux qui me pètent vraiment les couilles au début. Parce que le boss en soi, c'est pas vraiment ça le problème. Le boss, pff, on s'en fout un peu quoi. Je pourrais le taper plus tard le boss, c'est fine. Il a beaucoup de fenêtres où ça passe. Putain, j'ai pas le temps. Quoi? Mais j'ai même pas le temps de roll, frère! Je me fais stun tellement longtemps! Getsuga, attendez, faut que je teste un truc. Getsuga, il est comment au niveau de la range? J'ai pas le temps de taper les 3. J'ai pas le temps de taper les 3. Mais je perds quand même pas mal de temps à ne pas taper le boss. Je pourrais lui sauter dessus, mettre 2 auto-attaques et après taper les autres. En vrai, c'est 2 auto-attaques de gagner, c'est pas grand chose de gagner, hein. Oh, doucement, mec. J'ai l'impression que c'est quand même sympa, quoi. Si je le stun, j'ai même pas le temps de remettre un autre weapon art. Je veux péter un plomb. T'as un ascenseur à gauche avant le boss sur un chemin plus rapide. Il est plus rapide, mais il est moins safe. Donc je gagne quoi? Peut-être 10 secondes, je dirais. Mais je passe devant un autre soldat qui me casse les couilles. Donc c'est pas spécialement worth, je pense. Parce que en passant par ici, je me prends quasiment jamais de hits. En passant de l'autre côté, je peux aggro le mec à l'arbalète, je peux aggro un soldat qui se TP et je peux aggro un aigle de merde. C'est de l'énigme de la lame ardente, je sais pas ce que c'est, frère. L'épée de la nuit ardente. Jure, ok. Après, j'ai une autre épée que j'ai bossé. J'ai une autre épée que j'ai travaillé, les mecs, qui peut être le clutch. Je vous le dis, ça peut être le clutch. Merde, allô. L'espadon de la nuit obscure.
J'ai bossé ça en scred, les gars. Regardez lui déjà ce qu'il va prendre là. Il est où l'autre? Il est où, mec? Je vais le bosser sur lui déjà. J'ai travaillé celle-là. Je vais travailler cette arme, les gars, vous allez voir. Ça va être le clutch. Les dégâts de fou. Oh ouais, ça va, non? Ça, les dégâts, vous rigolez, wesh. Faudrait l'améliorer. Il est déjà en plus 8. Je l'ai bossé hier, C'est une arme qui a exactement les stats que j'ai. Donc ça va. Merde. Oula, c'est le flop. Oh mais en fait, c'est trop fort. Même les attaques normales, les staggers, c'est broken. Allez, tu veux faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi face à ça? Face à mon épée de la lue ardente. C'est trop broken, sa mère. Allez, laisse-moi rappeler. Ah. Merde. Perfumage qui commence maintenant. Non, non, je vais rester au corps à corps quand même. Pas déconner. Pas déconner quand même. Mais je peux battre les soldats avec. En fait, le truc, c'est que l'attaque, toutes mes attaques les stun avec. C'est trop broken. Imagine, tu fais une attaque, tu stun les mecs. C'est du délire. Avec les armes, tu es en charge moyenne. Je suis en charge légère avec mes deux katanas. Oula, doucement, mec. Peut-être un peu moins des coques, hein. Mais c'est de la... c'est du délire, hein. Attends, laisse-moi charger ma lame. C'est trop broken, ça, hein. C'est trop broken, ça, hein. Vas-y, saute. Mais c'est trop fort, hein. Ah merde, il va me cracher dessus. Après, il appelle la... l'éclair, là. Vas-y. Tape au sol. Il me saute dessus. Aïe. Non. Ok. C'est trop fort, ça, hein. Les soldats avec l'épée, je leur mets juste full auto-attaque, ils sont morts. C'est quoi ce bordel? Là, elle est pas mûrie, je suppose. Si, si, elle est en plus 8. En plus 8, quand même, quand même. C'est pas mal, tu vois, plus 8, quand même. Attends, mais est-ce que si j'appelle la lune sur le truc... T'as monté la force un peu sur ton perso, ouais, un peu. Si j'appelle la force de la lune, est-ce que ça fait plus de dégâts, les auto-attaques? Lâche ça, garçon. Voilà. Merde. Merde, j'ai pas le temps de roll. Oh putain. Pourquoi je tank plus aussi? Trop fort. Oh.
Allez, je vais rappeler la force de la lune encore. Hein? Bah tu avais quoi là? Ah c'est le coup de manche. Le coup de manche me tue. Ok. Attends, mais tu peux jouer double espadon? C'est du délire. Mais c'est, ça doit être super fort. En vrai. Masse endurance pour être en fat roll, ok. Après ça a pas l'air marrant quoi. Enfin ça a l'air marrant mais pas dans mon gameplay qui consiste à être glace canon. Mais vas-y frère, vas-y. Faut lâcher le steak. Ah merde. Ah merde. Par contre, je peux les tout shot avec le Getsuga. Je peux leur faire un Getsuga qui fait 1100 au lieu de 600. C'est abusé. C'est abusé. C'est beaucoup plus simple avec le double. Enfin, avec l'espadon qu'avec. Avec les katanas ce moment en tout cas. En tout cas, les invoques le sont. Le boss l'est peut-être moins, mais les invoques le sont. Putain, par contre, pourquoi je tank plus avec une épée aussi? Je ne comprends pas pourquoi je tank plus avec une épée. Bon, j'ai les mêmes stats, mais je tank plus. Il y a des coups que je suis pas censé tanker que je tank. C'est très chelou. Quand t'es à deux mains, tu gagnes 50% de force. Moi, je gagne 50% de force sur l'arme, pas sur mes stats, non? Mais c'est vraiment sur toutes mes stats. L'arme à trop de flow, c'est un truc de taré. Allez, saute mec. Allez, faut lâcher mec. Allez, appelle l'éclair. Fais tes trucs là. Je pourrais lui mettre des Getsuga dans la gueule, mais j'ai pas envie de le faire. Ah, c'est vrai qu'il faut pas que je tape ça. Ah, il me touche d'aussi long. Oh putain, oh le stagger déjà. Oh wow. En fait, juste à jouer de loin, lui faire des attaques sautées en boucle. En fait, on est d'accord que le creux du limier, c'était une arme pareille. Non? C'était une arme qui pouvait stagger. Tout à l'heure, j'ai mis 4 weapon art sur le commandant O'Neill avec mes doubles katanas. Ça l'a pas stagger une seule fois. Là, je lui ai mis juste 2 autos, une weapon art, stagger instant. C'est du délire. Hein.
Du coup, le pouvoir des espadons. Mais en fait, c'est trop broken par rapport au katana. Je vais prendre ça. Là, à ton tour. Non, il a le temps de me taper. Oh, il a le temps de me taper avant que je mette mon dernier coup. Dommage. C'est abusé. Katana, je pensais même que ça me donne trop envie de bourrer comme un débile. En fait, c'est trop fort, Katana. Mais c'est très différent. Tu fais plus de dégâts, au global, je pense. Mais vu que tu stagger moins, c'est moins cool. Tu prends le coup du lumier plus 9, ça passe. Non, mais oui. Pro du lumier, en fait, le weapon art du coup du lumier est trop illégal. Vraiment, le weapon art du coup du lumier, c'est trop quelque chose de fou. Par contre, je sais pas si le fait d'enchanter ma lame fait que je fais plus de dégâts ou pas. Ça, j'avoue que... Je le fais parce que ça a trop de flow. Mais tranquille. Après, je reviendrai sur le katana juste après le boss, là. En fait, le point, c'est qu'il a des invoques. S'il n'y avait pas les invoques, je ferais le boss en full katana. Mais les invoques me pètent les couilles. On peut l'avoir tôt, le croc, on peut l'avoir super tôt. Moi, j'ai eu giga tôt, le croc. Casse les couilles, ça! Quand il fait le coup au sol, ça casse les couilles avec son bouclier. Parce qu'il peut pas se faire stun avec le coup au sol. J'aurais dû faire. À moins que je lui fasse attack strong, je fais attack light. En fait, si je seul, je vais faire attack strong. Ok, j'ai capté. L'espadon, tu le touches, je sais plus, je l'ai eu. Je crois que c'est Rani qui me l'a donné. Hein. Genre bluff, ça me rajoute du dégât on hit là. Sauf là, évidemment quand je tue, je peux sauter et attaque normale. Ok, viens mec. Merde. Ah ouais. Allez, saute mec. Oh putain, il fait le deuxième coup comme ça, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il faisait deuxième hit là. Ok. Parce qu'en soi, le boss en 1v1, il est vraiment pas si fort que ça. Le boss en 1v1, franchement, c'est tranquille. Faut juste que je m'habitue à ses attaques et après bon, on respecte, on recule, on tape comme il faut et voilà. Hein. On bourre pas et on est bien. Mais j'avoue qu'il est vraiment... Enfin, ces deux invoques pètent vraiment les couilles quoi. J'étais plus proche au katana tout à l'heure. Ouais mais ça va, parce qu'il faut que je m'habitue aussi à cette arme là. Et tu peux pas mettre des armes dans tes favorites? Ah, c'est ça, attaque strong, il peut rien faire. Merde. Merde. Troll. Allez, je rappelle histoire 2 pour le flow.
C'est quoi? Oula, 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 monsieur. C'est quoi cette attaque de fou? Attends, là je peux leur mettre ça. Voilà, je full weapon art. Merde. Ok. Ouah, ça fait tellement mal. Le weapon art au corps à corps, mon gars. Ouah. Bon, après j'ai grillé un autre weapon art, mais au moins je sais. Au corps à corps, c'est abusé, hein. Oh. Tu joues sans esprit, c'est volontaire, ouais. Ok. Bon, les mobs, on a capté. C'est le temps de me réhabituer à jouer avec une arme comme ça, en fait. Parce que j'avais joué avec Roue du Limier pendant un moment. Donc je sais à peu près comment ça marche au niveau des différentes attaques, etc. Mais vu que j'ai très longtemps joué avec le double katana, forcément, eh bien, je suis pas habitué à la lourdeur de l'arme. Non, j'ai le temps de roll. Ah oh, putain, si j'avais fait ça plus tôt, je l'aurais tué. Oh, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lui balancer mon attaque, dommage. Après, j'ai chargé. J'ai chargé. Salut RB, le chat, c'est BO3 ce soir. C'est BO5 ce soir. Big BO5. Buff-toi avant d'entrer dans la room. En fait, le problème, c'est que si je rentre dans la room... Enfin, faudrait que je me buff avant, mais... Ça va être long. En fait, si je veux me buffer, c'est maintenant. Parce qu'après, je fais que courir... Et surtout, les mobs peuvent m'attraper et c'est relou. Tu cherches aussi à weapon art au corps à corps. Mais en même temps, je fais beaucoup plus de dégâts au weapon art au corps à corps. Et c'est un BO5 contre BDS ce soir, Ikey Boy. C'est pour ça que je fais weapon art au corps à corps, ça fait trop mal. Eux, je peux les tuer en range, on s'en bat les couilles. Non, merde. Allez. Dégage de là, toi. Merci. Oh, jure. Là, il va appeler l'éclair. Elle saute. Merde, j'ai plus. Merde, ça buffer. Là, il saute partout, là. Ah ouais? Ah oui, d'accord. C'est les trois vagues. Ok, je pensais pas. Ok. Je sais ce qu'il veut faire. Maintenant, j'arrive pas trop à le contrer comme je voulais. J'arrive pas à faire dans mes yeux sur le dernier d'autres pour qui ça bug. C'est normal, je crois qu'il y a une maintenance et je crois que l'online est désactivé pour l'instant. Je crois que c'est logique. C'est pas mieux de switch sur les katanas en 1v1. Possible. Si possible, mais bon, écoute, j'ai la flemme. Ça demande de stacker toutes les armes. C'est un peu relou. Il va appeler les éclairs de Dieu.
la mix-up. Pas exactement ce que je voulais faire, ça. Ok, j'ai grid, dommage. En fait je suis pas encore habitué totalement à la range que j'ai sur mon attaque. Si je lui mets les deux attaques sautées que je loupe là tout à l'heure, je pense qu'il y a un monde où il est stagger. Je pense. Parce que j'ai eu beaucoup d'attaques sautées strong, donc je pense qu'il était stagger. Est-ce qu'il se souvient de ce qu'il a dit l'Athéna? Ouais, l'Athéna m'a dit que dans le château, il y avait le médaillon qui me permettrait d'accéder à l'arbre monde. La deuxième partie du médaillon que Albus Dumbledore m'a laissé. Et que c'était dans le château, ici, à ce castel. Oh, what? Ok. C'est trop broken ça. Hein. Regarde. Ah, je suis mort. Je suis mort, mais... Les soldats, je peux vraiment les clairer comme ça. Bah attends, mais les Getsuga de cette arme-là sont plus forts que les Getsuga de mon katana. Je vais péter un câble. Ce n'est pas normal. Il est plus lent en même temps, ouais. Le katana est crack broken. Je le jure que l'épée, je pense, est plus forte. Hein. En fait, le fait de stagger, le fait de... comment dire, de déséquilibrer les mobs à chaque coup, c'est trop OP. C'est trop OP. Mais je vais pas changer d'arme. Je vais juste changer d'arme pour les mobs plusieurs. En fait, quand on a plusieurs, ça me pète les couilles, donc... Ça sac la congélation. Bon, après, mon. Pas un art aussi, enfin l'autre. Trop tôt. What? Je le suis. M'a touché? Elle m'a touché, je suis dégoûté. Allez, on rappelle la magie, il sort deux. J'aurais dû... Aïe. Là, c'est les vagues. C'est les full vagues, là. Oh là. Wouah. Wouah, sa mère. Oh, le gros 3000 de ID de dégâts là. Allez, refais ton attaque, vas-y. Repars, ressaute, vas-y mec. Merde. Oh non. Ah merde. Je vais baiser sa mère. Hein. Oh, je vais baiser sa mère. Hein. Et j'ai pas abusé de mon weapon art à la, en range. Je l'ai fait vraiment full corps à corps. Donc ça me va. Waouh. Je l'ai déchiré. C'est plus sympa à regarder avec cette arme. Ouais, mais c'est moins fort. C'est moins... Enfin, c'est pas que c'est moins fort. C'est plus fort et c'est peut-être justement trop fort, tu vois. C'est ça qui me fait peur. Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que c'est pas trop fort? Prothèse de jambe pourvue d'une lame et imprégnée du pouvoir de la foudre. S'accroche au niveau du poing
Le commandant Niel, vétéran de Solcastel, offrit cet objet en échange de la vie de plusieurs chevaliers vaincus, retenus prisonniers. Il devint ensuite leur chef et fonda une armée sans nation. Compétence unique, coup de pied foudroyant. Vous enfoncez votre prothèse de jambe dans le sol et générez un orage. Enchaînez cette attaque. Enfin, enchaînez avec une attaque puissante pour effectuer une frappe sautée en pleine foule. Vas-y, on va tester. Stylé. Bon, du coup, espadon ou double katana? À vous de me dire. Évidemment, on va mettre la force jusqu'à 60, comme je vous l'ai dit. Ah, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Au pire, j'utilise les deux. Les deux sont cool. Espadon plus katana, OMG. L'espadon ici, le katana ici, OMG. Le nouveau build à la mode chez les jeunes. Attends. Ça marche pas. C'est de la merde. En fait, il faut que je vois niveau dégâts. Donc là, je suis à 177 de physique plus 83 plus 206 de magie. Ici, je suis à pas mal de physique magie. Attends. J'aime bien les deux, en fait. Entre culture et tradition, exactement. En fait, le truc, c'est que j'aime vraiment bien les deux. Mais je vais rester en double katana pour l'instant. Et si jamais il y a vraiment des mobs sur lesquels je galère trop et que je vois que finalement le double katana est mieux, eh bien je partirai... Enfin, si jamais je vois que l'espadon est vraiment mieux au global, on partira sur l'espadon. Mais pour le moment, j'ai quand même l'impression que double katana, c'est bien sur certains mobs parce que ça me permet de bien bourrer, ça met des bons dégâts. Et surtout, ça a plus de flow, quoi. Mais l'espadon est trop broken. Enfin, je peux comparer. Je peux comparer avec l'espadon il est. Arme droite 2. J'ai un peu plus de dégâts avec l'espadon. Mais du coup j'ai pas l'attaque. J'ai pas la deuxième attaque quoi. Et la deuxième attaque fait que mon combo fait quasiment 1000 de dégâts. Alors que si je tape juste avec l'espadon, ça fait genre 700. Je vois que le double hit du katana c'est vraiment vraiment broken. Une new game plus pour double arme de Rani. OMG. Double espadon de Rani. Je suis obligé de refaire le jeu après. Non, vous êtes des ouf. T'as pas de bleed aussi avec espadon, c'est vrai. Mais bon, le bleed en vrai, j'applique tellement jamais. J'ai l'impression de ne jamais appliquer le bleed. Donc je me dis, bon, au final, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Ah, médaille en secret de l'arbre sacré gauche. Let's go! Alors, salut à toi. Seigneur Michaela, pardonnez-moi. Le soleil n'a pas été englouti. Notre ferveur n'a pas été suffisante. Votre camarade n'a pas retrouvé son âme. Recouvrez son âme. Jamais je ne pourrai contempler votre arbre sacré. Ok. Eh bien, il a ses petits fidèles, hein, le seigneur Michaela, hein. Non. Non. Ok. Bon, on a pris ce qu'on voulait prendre, c'est nickel. On a pris ce qu'on voulait prendre. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Après, il y a un autre chemin par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il n'y a rien. Hein. Franchement, pour tomber, c'est super. Mais bon, après, j'arrive là. J'en fais quoi de ça? J'arrive dans le toit, là. Ouais, c'est super, je suis dans le toit. C'est cool, mais après... Après, j'arrive là. Ok, après, je tombe. Bon, je meurs pas, donc ça va. Il n'y a rien. Il n'y avait rien. Il n'y a plus rien. Tout ce que je voulais, de toute façon, c'était le talisman. Donc là, au niveau du talisman, on a pris ce qu'on avait à prendre. On a fouillé un petit peu la partie de gauche. C'était pas trop mal. Ici, on a fait. On a battu la gargouille, enfin l'oiseau qui volait. On a fait la cabane ici. On a fait les ruines ici. On a fait l'arbre monde ici. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pas fait? Là-bas, c'est de là d'où je viens. Donc c'est le grand mur. En réalité, cette zone-là, elle est pas mal clear pour moi. Elle est pas mal clear. Maintenant, il faudrait que j'arrive à aller là. Ici, je vais aller dans le lac gelé. Là, mon objectif, c'est d'aller dans le lac gelé, c'est d'aller à droite et de trouver du coup la partie de la map qui est donc là.
Ok, on y va. C'est parti pour le lac gelé. C'est la suite. On y va. Bon. Je vais, avant d'aller dans le lac, je vais plutôt faire le tour, voir s'il n'y a pas des trucs sur le côté. Toujours regarder dans les extrémités, voir s'il n'y a pas des trucs avant de rentrer dans le tas. On ne sait jamais. C'est vrai que ces petits malinois de From Software, ils aiment bien planquer des trucs un peu partout sur les côtés, donc je vérifie avant de visiter le lac. À quand l'arc Sekiro? OMG, 1500 subs, hein. N'hésitez pas, abonnez-vous, hein. Après, abonnez-vous, déjà, il faut les 1000 subs pour Dark Souls. Lorsqu'on termine Elden Ring, il faudra un petit arc Dark Souls. Et merci à toi, Boldog, pour tes 5 subs offerts. Gros bisous à toi. Gros bisous à toi. K5 sub. Les 5 subs, le gros bisou, la norme. Ok, un petit item, tu vois. Je regarde un peu autour. Bon, par contre, il y a une méduse qui me fait pas plaisir là-haut. J'aime pas trop ça. Il y a... Oula, je vois plus rien là. Oula. Les mecs. C'est pas marrant. Beau réaliste, la boum glaciale. Mais c'est quoi ça? Oh, un dragon. Putain. Ah, oh, je peux le taper sur les pieds, ça va. Ouais, c'est que mon arme, elle fait de la congélation. Et lui va me grasser de la glace. Par contre, j'ai pas envie de me faire congeler là. Bon, allez. T'envoles, mec. Ok, là faut que je roll. Je pense à vous connaître, vous. C'est quand que tu tombes, par contre? C'est quand que je stagger là, mon salopard? Oh, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, doucement. Veuillez arrêter, je vous en supplie. Ah, donc là il va. Mais c'est quoi cette merde? Ok. Je pensais que ça allait, ça ne va pas. Après, si je me mets derrière lui, ça va. Ah non, il va pas cracher là. Il va tomber. Je savais. Ok, ça va. Ça se fait. Ça se fait. Franchement, ça devrait aller. Et tu as prévu de refaire des soirées à l'horreur comme à l'ancienne? Ouais, j'ai prévu ça normalement pour Resident Evil 4. Le remake de Resident Evil 4, je ferai. Mais là, cette semaine, c'est compliqué parce que j'ai le casse du summit de Smash sur Solari. Et voilà, déjà rien que ça. Donc je ferai du coup semaine pro. Et merci à toi, Calicalisme. WM, un mois. Pseudo de merde, voilà, tu m'as cassé les couilles. Merci à toi quand même pour ton sub. Et merci à toi, Tilutz, pour ton sub aussi. Tilut, 2 mois. On veut encore plus de Slipman. Sympa, bah écoute, ici, on est honnête, hein. Il a mis un pseudo, il s'assume par Wism. Quelle idée de finir son pseudo par Wism. Personne ne fait ça. Ah merde, roll trop tôt. Oh le deuxième roll. Oh mais la glace. Ah oui d'accord. Bon en vrai à d'autres chevals c'était pas mal. À d'autres chevals c'était sympa quand même. Le pauvre Isabonne il se fait démarrer sur son pseudo. Tranquille, tranquille. Qui aime bien châtie bien évidemment. Par contre, je suis en slip, alors qu'on est là, grand blizzard autour de moi, ça fait plaisir.
D'ailleurs, n'hésitez pas, là, vous avez 4-5 jours, je pense, pour atteindre les 1000 subs, parce qu'en gros, là, après ça, il y a la reprise des streams, parce que j'avais pris une pause de 10 jours, et du coup, là, on rattrape les 10 jours de stream qu'on n'a pas fait. Je vous montrerai d'ailleurs le revenu pour vous rendre compte. Vous avez un petit creux rattrapé, c'est le seul moment pour vous pour dépasser les 1000 subs. Après, c'est mort. Moi, je vous le dis, après, c'est finito. Merci à toi, Stormiz54, pour ton sub à Subscribe. Oui, pitié, rappelle mon cheval. T'es où toi? Oula. Oh merde. Allez, crash. Oh, ça c'est big ça. Ça c'est big ça, monsieur, merci. Laissez-moi vous canarder les jambes. Comme il le faut. Oh, j'aurais dû roll in. Si je roll in, il ne touche pas. Ok. Et merci à toi, Monkey Dibitu, pour ton sub offert à Gizmolol. Maintenant, c'est à toi, Gizmolol, à toi d'offrir Monkey un sub. Monkey Dibitu, un sub. À ton tour. Le mec, il est là, il va faire le mec. Hop, je passe sur les radars. La chaîne de sub pour avoir Dark Souls 3. Merci à toi, Kumiko, pour avoir offert un sub à Endural aussi. Donc là, c'est soit Gizmolol ou Endural qui doit offrir un Endural sub. Endural, voilà. Un là, mois. C'est comme ça, c'est le deal. C'est le deal. Et merci à toi Shadid qui a offert un sub aussi à Yasm. Donc Yas. Yas TSM. C'est cool, c'est qu'on voit vraiment bien quoi. Par contre, quand il me crue dessus, j'aime Shadid pas trop ça. Hein. Tirer bas un sub. J'aime pas trop beaucoup ça. Hein. La gueule. Palin tirer bas de moi. Monkey débit tu un sub. Je suis trop loin de lui, je peux pas aller le chercher là. Je pourrais pas aller le taper, je pourrais pas le stagger, ça me fait chier. The Hunters est même un sub. Mais. Ça c'est broken ça. Attends, mais il y a eu trop de subs offerts là. Merci à toi Zelf aussi qui a offert 64, un sub à Sparky Spark. S-U-B-S. Merci à toi The Hunter qui a offert un sub à Pablo Restobar. Merci à toi Shadid pour avoir offert un sub à Nujabes Lover. Merci Nujab à vous les mecs, n'hésitez pas. Merci à toi Kint T212 pour avoir offert un sub à Spirono Lacton. Donc là, normalement, un des mecs qui a reçu un sub, il y en a beaucoup qui ont reçu des subs, doit aussi offrir un sub et ça fait une chaîne infinie. Et du coup, Spirono à la fin, on atteint les 10 000 Lacton subs. Et c'est magnifique. Et merci à toi Skyline VR pour avoir offert un sub à Dranox. Merci à toi OK Mec aussi pour t'être abonné. Merci à vous les gars. Grand, grand par merci un à mois. Vous. Et merci à toi The Valhalla qui a offert un sub à Tuer en ligne 52. Ok, tirez bas, mec. Cette zone, il y a énormément de boss, non? Je me suis à peine baladé dans la zone, mais vraiment à peine. J'ai rencontré 4 boss, frère. C'est bon. Hein. On peut plus. The enfin, tirez bas, Valhalla a un sub. Oh merde. Tirez bas, 117. 1 SUBS. Ça s'actualise pas trop là, ouais, ça prend le temps de s'actualiser, c'est normal, c'est normal. Shahadi tiré bas du sub. Merde. Aïe. Attends, il y a un mec qui va faire trop de sub. Attendez, je vais remercier après, 2 secondes. Oh, putain de merde, mon cheval a failli caner. 972, 15, SUBS.
Non, il me crie dessus. Oh non, il m'a crié dessus. Y'a eu quoi là? Attends, mais y'a eu trop de subs là. Merci à toi, BNJ972, pour tes 15 subs offerts. Grand merci à toi, merci à toi, Shadid aussi, vous deux. Merci à toi, Shadid, pour tes 10 subs offerts. Gros bisous à vous, les mecs. Mouah, gros bisous à vous. Merci à toi, Met617, pour ton sub offert à Helios. Merci à toi, MonkeyDB2, pour ton sub offert à User3462F. Merci à toi, SpironoLactone, pour ton sub offert à Corazon49000. Merci à toi, Athelos, pour ton sub offert à Cardiac233. Ouais, c'est le Z-Event ou quoi? C'est quoi ce bordel? Genre, que, comment ça? Du coup, vous avez Dark Souls 3? Allez, allez, il y aura du Dark Souls 3. Pas de train, bah je crois que le train est en cooldown. C'est toutes les deux heures. Fuck lol, vive From Software, ouais. Il y aura l'arc Dark Souls 3 normalement, il n'y a pas de problème. Si, lorsqu'on termine Elden Ring, on a mis le sub, évidemment. Attention, attention. Ah, je rigole. Il y aura Dark Souls 3, quoi qu'il se fasse, ok? Vous l'avez mérité, vous l'avez bien mérité. Merci à toi, Miu Yuk, pour tes 20 subs offerts. Mais wesh, vous êtes des ouf. Grand merci à vous, gros bisous. Mouah. Allez, et à 1250 subs, on fait Dark Souls 2, ouais. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une blague, les gars, arrêtez, c'est faux. J'ai déjà vu les petits extraits de Dark Souls 2 sur Twitter et ça donne pas envie. Merde. J'ai coupé les jambes. Merde. Ça, je savais que là c'était la merde. Je reste par terre. À 1500 subs, tu jettes ton katana et tu finis le jeu au point. Bah ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. Ça va, c'est pas trop suicidaire comme truc. Pour rien. Wesh. Putain, là je devrais juste dû me barrer. Ok, j'ai capté. J'ai capté, il est finito. Attends, par contre, j'ai des gens à passer VIP là. J'ai des gens à passer VIP. Tous les gens qui vont faire plus de 10 subs, je les passe VIP. Donc attendez. À la fin, j'aurai plus qu'un chat de VIP là. Donc Miuk, VIP. Et PNJ 972. Il y a Shinora qui a mis moi, pas offert un sub, pas abonné. Tu crois que tu vas passer à travers les mailles du radar? Toi, t'es fou, toi. Il est fou ce mec. Dark Souls 3, je suis trop heureux, tu vas découvrir la réelle addiction. Ah ouais, c'est mieux qu'Elden Ring, Dark Souls 3, parce que Elden Ring, c'est quelque chose quand même, hein. Elden Ring, c'est vraiment, vraiment quelque chose, hein. Bmax, toi, t'es déjà sub, toi. Toi, t'as déjà le first. T'es un roi. C'est différent, apparemment. Mais Elden Ring, c'est trop exceptionnel. En termes de boss, c'est mieux. Ah, là, ça me parle. J'espère juste que j'aurai pas trop de marche, parce que ça va me tilt. J'aime pas la marche dans le jeu. Moi, je veux juste taper des mobs. Aïe. Non, pas les cris. Ah! Oh, je l'ai stun. Attends. Je suis bloqué dans ses jambes. Bon, tant pis alors, on va le taper juste. Merde, trop tôt. Ah, j'ai plus de mana. Il va me créer dessus. Ok. Wow. Arrête de créer sur tout le monde, mec.
Il va cracher de la glace et il est finito. Allez, on va le terminer avec un petit Getsuga. On lui coupe les jambes, voilà. Nickel. 100 000 100 000 Un nouveau pouvoir est désormais disponible à la cathédrale de la communion draconique. Merci à toi, mec. Ok. Oh, les 100 pétards qui font plaisir, hein. Les 100 patates, les mecs, on s'est régalé là. Donc, je vais pouvoir level up, je vais pouvoir prendre un petit truc, on verra. Sur le côté, pas grand chose. Dans le lac gelé, il y a forcément un truc de spawn, obligatoirement. Je longe le côté gauche, après je longerai le côté droit, et après je fouillerai le lac, ok? Oh non, du homard. Oh non, pas eux. Non, eux, faut aller se faire foutre. Attends, après, à d'autres chevals, c'est peut-être plus facile. Ah, d'autres chevals, ça va, je leur tourne autour. Ah les cons, alors, tu regardes quoi? Omar m'a pas tué là. T'as la ref. Moi perso, je l'ai. On met ça pour Dark Souls 2. Oublie, oublie, oublie. Lâche ça. Lâche ça, garçon. Oh, deux Omar par contre, c'est relou. Ah merde, les deux se réveillent. Attends, j'ai peut-être moyen. On va voir, on teste. Oh non, les 100 000 runes entre les deux Omar. Oh no. Oh no. Je vais les chercher. Oh la catastrophe. C'est une catastrophe. Vite. J'ai refait Dark Souls 3 Appel Ring et tout est plus long, ne parlons pas de DS1 où les boss sont tellement lents et ratent la majorité de leurs attaques. Mais sinon c'est des jeux incroyables. Après c'est différent, c'est normal, c'est le jeu qui date un petit peu. Mais moi ce qu'on m'a dit c'est surtout de ne pas faire Dark Souls 2. Et Dark Souls 1 c'était ok parce qu'il y avait un remake de Dark Souls 1 et que du coup c'était fine. On m'a surtout dit de ne pas faire le 2. Le mort m'a tué cette fois, ouais. Putain, je suis dégoûté. Oh, c'est quoi ce truc? Oh. What the fuck, il y a une grosse coupole. Et là-bas, il y a une petite église, ok. Ah, remaster, pas remake, ok. Hmm. Bon bah du coup dans le lac y a pas grand chose hein, voilà. À part un dragon dans le lac, j'ai pas l'impression que ce soit une zone très très animée, dirons-nous. Ah. Allez c'est bon, je prends ma revanche maintenant. Aïe. Oula. J'ai rien dit, je prends pas ma revanche. Ils sont trop énervés les homards hein. Arrête, saute. Non mais ils sont trop énervés les homards. Il y a une question d'honneur normalement qui est en jeu maintenant. Je dois réussir à prendre mes trucs, je dois réussir à les tuer. J'en ai tué un mais le problème c'est qu'il va respawn quoi. C'est ça le souci. J'en prie de laisse-les, ces mobs sont infernaux. Oui, ils sont infernaux. C'est vrai qu'ils cassent les couilles. Et c'est justement pour ça que j'ai envie de les tuer. Il y a forcément un truc, c'est dans une grotte quelque part là. Planqué par là, tu vois. Je vois bien un petit truc planqué par là-bas là. Tu peux pas aller Getsuga à distance? Si, je peux. Il y a deux morts de partout en vrai. Tu vas faire un react en live d'une vidéo lore après avoir fini le jeu? Oui, je ferai ça. Après avoir fini le jeu, je regarderai une grosse vidéo de lore et on verra. De lore comme histoire évidemment. Il dort mieux hein. Je vais fumer. Pas qu'il me chope.
Mais frère, ils font trop mal. Attends, il y a peut-être un spawn dans le... Je sais comment faire. Je sais comment faire, je vais prendre le spawn dans l'église. Je récupère mes runes, je ne les oublie pas. Ne vous en faites pas. Désolé, c'est en anglais, il voudra pas. En fait, j'aurais la flemme de le faire. Si c'est une vidéo en anglais, j'aurais la flemme. J'espère qu'il y a des vidéos en français. Je comprends l'anglais, mais je sais que pour le live, c'est moins bien. Je regarderai Ludic alors. Comment ça, t'es bilingue? Oui, oui, ça va, mais juste que... Pour le live, ça, c'est mieux. Parce que le chat, vous êtes là, on est bilingue. Ouais, ouais, personne n'est bilingue ici. Hein. Il y a vraiment une histoire d'égo à vouloir la bagarre quand c'est Omar. Bah, ils m'ont tué. Moi, je pars du principe qu'un mob qui me tue doit mourir. Quel qu'il soit. C'est un loup, je dois retrouver le loup pour me tuer. À un moment, pour arriver ici, j'ai dû passer par des vieux petits nains, là, les ninguis. Ils sont arrivés, j'ai dû faire un génocide de ninguis. C'est normal, c'est la base. Je suis obligé. C'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est eux qui l'ont cherché. Donc là, il faut que je récupère mes runes, je récupère le feu qu'il doit y avoir dans cette église, j'imagine. Et après, comme ça, j'ai un spawn plus proche, et comme ça, je pourrais les try plus souvent. Voilà. Voilà, je prends mon level up. J'arrive. Voilà, parfait. Ok, maintenant, je peux les faire sans avoir à faire un marathon avec Torrent. Et je vais les tuer. Allez, c'est parti. Allez, messieurs les homards, on y va. Oh là. Oh, mais le problème, c'est qu'ils ont delay leur coup. Faut que j'arrive à lui mettre le crit. Ok, pas besoin. Ok, le deuxième. Maintenant, c'est à toi. À ton tour. Je ne vois rien. Ok. Et voilà. Merde. Je voulais terminer en beauté. Mais à un moment, tu vois. Bon, j'ai pas mes level up. Mais tranquille. Tout ça pour une vierge de tranche blanche. Mais tu vois, l'idée, c'est pas de cette tranche de viande blanche, on s'en bat les couilles. C'est pas ça l'idée. Oh. 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 Oh, ça c'est bien ça. Oh. L'idée c'était juste de les tuer, c'est tout. Donc je vais passer ça à... Allez, 60. Comme ça, j'ai comme j'ai dit. Après, on sera bien en termes de stats global. Ok. Attendez, il faut que j'aille voir les mamies. Faut que j'aille voir les mamies avant de revenir là. J'ai trouvé le talisman. Qu'est-ce qu'il va me dire le monsieur du lore à la table? Il va me dire maintenant tu peux aller à l'arbre et cramer l'arbre. OMG. Oh mais attends. Donc maintenant ça va jusqu'à 6. Je peux acheter des pierres de forge sombre jusqu'à 6. Et les pierres de forge jusqu'à 6 aussi. Bon, ça me sert pas à rien. Ça me sert à rien vu mes armes, mais bon. C'est que lui, il est parti, lui, monsieur Prout, il est parti. Un raccourci pour cliquer sur la table ronde sur ta map. Ah ouais, c'est quoi? Ah ouais, putain, t'es chaud. Attends. Si je vais là, imagine, je suis là. J'appuie sur X. Ah mais non, ça marche pas. Triangle carré. Ah ouais, c'est broken. Putain, si j'avais su. 110 heures de jeu, hein. Je ne savais pas ça. Alors, j'ai réuni les médailles secrets. Voilà. Je vois que vous avez mis vos mains sur l'autre secret médaillon. Je suis heureux de voir que mon conseil a porté fruit. Mais l'honneur de la deed est votre seul. Vous avez fait plus de vous que Ensha a. C'est qui Ensha, frère? Both secret medallions are in your hands. I suppose you'd like to know then. Ouais. What awaits you on the path ahead? Oui, qu'est-ce qui m'attend, monsieur? Me too, my friend. Me too. I wait with bated breath. Okay.
Donc Mikaela, oui. Ah, s'il est à l'arbre sacré, Mikaela, ok. Malenia, l'épéiste invaincu. Rani. Oui. Attends, mais Seigneur du sang, je l'ai... Ah non, je l'ai pas tué encore. Ah non, c'est le Mord... Le Lord of Blood, c'est le mec avec comme pote Fortisex. Non ? Ah, c'est le prince de la mort, ok, ok. Ok. Très bien. Ok, mec. Donc là, c'est bon, on a pris ce qu'on avait à faire. Je ne peux pas améliorer, j'imagine, mes katanas. La meuf, elle est partie. Là-bas, il est parti. Là-bas, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans cet endroit. Renforcer une arme. Donc là, il me faut une pierre de forge 8. Je n'ai pas de pierre de forge 8. Donc ça, il faudra attendre pour la passer. Niveau 22. Et ici, il me faut une pierre de forge sombre des dragons anciens. Et donc ce bordel. Ok, elle a rien à me dire niveau lore. Bah écoute, on se barre. Hein. On se barre de là. Ok. Écoutez, on va pouvoir se TP à l'église. On va devoir prendre, pouvoir prendre le côté de la map. On est bien, hein. Pendant, moi, je vais mettre un petit carré de water drop. On est sur la son water drop dans le shop, dans le chat pour ça. Deux secondes. Hop, regardez. Des petits cubes comme ça. Voilà, c'est le moment intégration. Voilà, je vous le fais placer. Ils ne le demandent pas, mais bon, il faut quand même que je fasse de temps en temps parce que c'est quand même les frères. Ils me permettent de pouvoir payer mes charges, hein, à la fin du mois. Donc, c'est des petits carrés comme ça. T'es là. Tu mets des petits carrés. Des petits carrés comme ça. T'achètes ça. T'as des goûts. Là, il y a de la caféine dedans. Il n'y a pas de sucre. Ça te permet de rester éveillé quand tu sors des longues sessions de gaming. Mais là, là, c'est un goût de type cerise. Voilà. Attendez, un bouillon de cube dans l'eau, c'est ça. Ça booste comme l'AC. Je n'ai jamais pris de C de ma vie, donc je ne sais pas, mais je ne pense pas du coup. Mon préféré, c'est celui à la mangue. C'est manga, mango, guyasa. C'était celui-ci. Bon, j'en ai plus. C'est celui-ci mon préféré. Et du coup, tu mets ça là-dedans, dans une petite, dans un petit truc. C'est effervescent. Il n'y a pas de sucre. C'est naturel, c'est à base de plantes et tout. Et voilà, comme ça, on se dope. T'as testé combien de goûts? J'en ai testé 3 pour le moment et franchement ça passe grave bien. Donc point d'exclamation water drop dans le chat, vous avez 10% directement. Voilà, si jamais vous utilisez le truc, n'hésitez pas à tester, c'est sur un mois de toute façon. Et après on verra quoi. Et après on verra si jamais ils sont chauds pour continuer. Et si moi aussi je suis chaud, forcément. Donc on testera ça et vous me dites. Mais franchement, ça change un peu, bah voilà, des sirops de base que vous utilisez. Si jamais vous utilisez des sirops d'habitude, eh bien c'est une bonne alternative. Et en plus c'est sans sucre. Ou même des boissons énergisantes, si d'habitude vous en buvez, et eh bien c'est pareil. T'en prenez avec de la caféine et voilà. Donc autant acheter de la grenadine, ça revient au même. Ouais, mais la grenadine, il y a full sucre. Les sirops grenadine, tout ça, il y a full sucre. J'aime beaucoup, hein, mais... Du coup, c'est peut-être pas un truc de ouf à boire tout le temps, quoi. Ah, ici, maison sans sucre égale broken. Oui, j'imagine que c'est encore mieux, mais... Je ne sais pas faire d'ice tea maison, personnellement. Ah, putain, pierre de forge 7 x 3. Ils veulent pas me donner des petites pierres de forge 8, là? Oh, ça aurait été un bonheur, là. Pierre de forge 8, j'aurais été régalé. Tu as lu le médaillon que tu as loot sur Nial. Je crois que je l'ai lu. C'est pas celui-ci que j'ai eu en dernier, non? C'est celui-ci que j'ai eu en dernier? Non, c'est pas ça, si. J'ai pas eu de médaillon sur Nial. J'ai pas eu de médaillon, j'ai eu une arme sur Nial. Objet clé? Ah, il m'a drop un objet clé? What the fuck? Ça... Bah non, il m'a pas de drop d'objet clé, qu'est-ce que vous racontez? Il m'a pas de drop d'objet clé. La moitié de médaillon. Ah, la moitié de médaillon, je sais, ça je savais. Je savais, de toute façon, c'est ce que je cherchais ici. Dans le château de Sol Castel, il y a Aeterna là qui me disait faut que t'ailles dans le château de Sol Castel pour trouver la deuxième partie du médaillon d'Albus. Donc elle m'a dit, je sais que c'est le médaillon pour aller dans l'arbre au monde là. Du coup là je vais pouvoir y aller. Aeterna et Mélanie, bah ouais, normal. OMG. Encore what? Oh non, non, c'est bon, frère. Pierre de forge sombre 8. C'est bon, ils m'ont saoulé, eux.
Oh, ils m'ont saoulé, Il y a une grotte en plus. Il y a une grotte en face. Oh, il m'a fait trop peur, le mob. C'est sans gourde du coup. Ouais, tu peux acheter du coup à Waterdrop sans gourde. Tu peux acheter avec une gourde, avec une œuf découverte, avec un peu de tout dedans. Et tu peux acheter juste des goûts différents. Là, je vais recevoir normalement les versions sans... J'allais dire sans cocaïne, mais bon, sans caféine, ouais. Et du coup, on verra comment ça rend. À part en termes de goût, ce sans caféine, c'est meilleur, mais du coup, ça a pas l'effet... Ok, saved. Les 16 000 runes ont été saved. Mais du coup, bah, j'ai pas testé encore. Donc je testerai au niveau des goûts. Et de toute façon, testez. Vous me dites si vous aimez bien, si vous aimez pas. De toute façon, au bout d'un mois, moi j'ai le droit aussi d'arrêter. Même s'ils veulent continuer, au bout d'un mois, si je vois que vous avez que des retours négatifs là-dessus, eh bien j'arrêterai. Mais pour le coup, ça m'étonnerait. Parce que moi j'aime bien. Je comprends pas. Si moi j'aime bien, vous devrez bien aimer. Après, je suis bien d'accord que je suis un peu chelou des fois, mais tout de même. On rappelle qu'ils m'ont tué, hein, donc voilà. Mais vas-y, c'est des mobs, pète les couilles. T'inquiète, c'est voir si tu vas avoir une super bonne manche. Et surtout 4000 runes, attention. Tu as Choka comme boss aujourd'hui. En vrai, ça va, j'en ai tué pas mal. Hein. J'ai tué le petit oiseau, là, l'oiseau dépravé. J'ai tué le commandant O'Neill. J'ai tué le dragon de glace. Honnêtement, aujourd'hui, ça va. Ça va, il y a des fois où on galère peut-être 3 heures sur des boss, aujourd'hui, ça va. Ah ouais, déjà. Oh mais non, je voulais lui mettre le coup crit. Putain, j'aurais pu l'étriper, le grail derrière. Oh, ça aurait été fantastique. Placide du sexe, ton prochain dragon. J'ai mis 3 heures à allumer. Mais t'es pas obligé de spoil, hein, tu sais. Comment ça? Placide du sexe, qu'est-ce que tu racontes? J'espère que c'est faux. J'espère que c'est faux. Sinon, ce sera un permaban. Permale dans le doute, ok. Ouais, dans le doute, hein. Allez, dans le doute, j'avoue, t'as raison. Merde, attends. Laisse-moi prendre mes runes. Ah, ça ne marche pas de sauter. Oh, le stagger qui m'a mis. Ah merde, attends, mais quoi? Hein? J'ai quoi comme arme là? C'est quoi mon arme là? Attends, mais c'est quoi mon arme là? Ils veulent pas lâcher le steak, eux. Hein. Oh, mais ça va trop vite. Il tape trop vite. J'étais là, je comprenais pas. J'ai pris le Ushigatana, je me suis dit, attends, mais c'est quoi cette arme? Je l'ai jamais utilisé comme ça. J'ai plus mon weapon art broken, j'ai paniqué, je te jure. J'étais là, j'ai essayé de faire un weapon art, j'ai fait, mais... C'est nul. C'est nul. Ok, je vais fouiller du coup, comme je vous l'ai dit, là, je vais fouiller tout ce qui est sur le mur au fond. Ah, c'est qu'il y a les deux homards là, il y en a un autre au fond. Mais il y a un moment, je suis obligé de tous les tuer. Je suis obligé de tous les tuer, il y a un moment. Les gars, les homards, il faut qu'on profite de ça. Après, en solitaire, ça va. Merde. C'est parce que j'ai pas encore bu.
c'est bon. Grâce au Water Drop Buff, je ne peux plus mourir. Déjà, le homard en solitaire, on va le fumer. Parce qu'il a trop fait le bout avec moi. Et après, on va fumer les deux autres. La boucle. Rename du style, le Super Water Drop et sus. Je crée un compte et juste après, ça me dit compte incorrect. Est-ce que je viens de te voler toutes tes données là? OMG, je t'ai pris toutes tes datas. Non mais si je suis bloqué en dessous, ils peuvent rien faire. Voilà. Voilà, toi on va t'étriper comme il faut toi. De la magnifique tranche blanche. Tranche de viande blanche. Merci bien. Mon problème c'est que les deux autres ils sont relous parce qu'ils sont en duo quoi. Attends, mais après je peux pas l'aggro lui. Avec un petit couteau. Avec un petit coutal. Petit coutal qui va être lancé. Hop, merde. Ok, c'est bon. Viens là, mec. Je t'as chaud ou quoi? On va aller plus des dagues éventail, ça fait pas de dégâts. Oh. Étape de planque prévue. Je pensais pas qu'il pouvait me taper d'ici. Les petits coutals, c'est peut-être la strat. Je vous dis, c'est peut-être la strat. Non, j'ai pas battu le boss Macron Explosion. Il est trop fort, frère. Il est trop injouable, ce boss. Le problème, c'est qu'il a trop, il a trop de pouvoir, il a trop de trucs. C'est genre, il a trop de spells, en fait. J'ai dit, en pur solitaire... Mais vas-y, frère. Même en pur solitaire, ils sont là, ils me... Il me harcèle, voilà, je le dis, c'est des harceleurs, les homards. Lâche ça. Allez, dernier try sur les homards. Dernier try sur les homards, maintenant que j'ai compris comment ils marchent, c'est bon, c'est win. C'est quel boss ça? Ah, c'est le boss Omar, hein. C'est un boss vraiment très caché, mais pour le coup, si vous arrivez à le faire, il vous drop des trucs de fou, genre une tranche de viande blanche et c'est broken. Ça vous permet de faire des plats de malade. Faites confiance, t'inquiète. On a trade, sauf que il tank plus que moi, le con. Je pensais pouvoir le stagger, mais j'ai trop attendu avant de balancer mon weapon art, je crois. Par contre, quand il saute, c'est vraiment le free timing. Les homards qui mangent du radan tous les jours, hein. Je te jure que les homards, ils oblitèrent radan maintenant. J'ai trouvé toutes tes mortes fleurs, j'en ai trouvé, bah non peut-être pas toutes, mais j'en ai trouvé quelques-unes. Faudrait que j'aille lui rendre d'ailleurs à Gurank là, mais le problème c'est que Gurank, je lui ai ramené ses mortes fleurs. Il est là, il est shooté au crack le couze. Il a essayé de me tuer une fois, c'est bon hein. On est fatigué de Gurank le fou. Gurank le crackhead, c'est bon, on lâche ça un peu. C'est quoi ça? Ok, ça va. Il a une chauve-souris, what the fuck. C'est l'attaque du fusil à pompe. OMG, le deuxième, à ton tour. À ton tour, Omar.
Allez, saute. Non, pas la chauve-souris. J'ai pas le temps de roll, dégoûté. Non, j'ai pas. Putain, il s'est pas fait stagger sur mon weaponard, je suis dégoûté. Après, je farm les runes là. On est à 30 000 runes, les gars. Attends, mais l'autre Omar m'a donné 14 000. Quoi? C'est énorme! Ah, il y avait le bonus des yeux dorés, ok. Ah, c'était une code shiny! Ah, ouais. Je capte mieux. Il faut que j'aggro juste la deuxième du coup. Celle-là, on lui a déjà montré, il a capté. Après, en soi, je peux faire les deux. C'est bon. Il faut que j'apprenne le pattern des mobs. C'est important d'apprendre le pattern des mobs, les gars. Oh non. Aïe. J'apprends bien là. J'ai bien appris là. Après je vais le faire. En fait je peux juste. Ouais non, Weapon Art ça stagger, donc c'est ça qui est trop bien. Il passe plus de temps sur les Omar que sur Adan. Mais tu vois, moi il y a une question d'honneur. Tu vois, il y a une question d'honneur. Est-ce que je peux pas mettre une arme genre en feu et comme ça je les crame en même temps, je les fais cuire, ça fait plus de dégâts, peut-être. C'est ça, on sait jamais. Imagine, il y a un roi Omar à un moment. C'est ça. T'as raison. Dans le jeu, il faut faire attention à tout. Ah, je vais essayer, j'ai une graisse de feu, tiens. J'ai jamais utilisé de graisse de ma vie. C'est où les graisses, celle-là? Une graisse de feu. Ah, je peux pas l'utiliser. Pourquoi je peux pas l'utiliser? Ah non, ça marche pas. Même si je descends du poney, ça marche pas. Ah, j'ai une moon veil là, ouais, du coup ça marche pas. Allez. Faut que je prenne mon fight là. Allez mec, viens. Wesh. Oh mais wesh, il tape tellement vite. Il est frais, on sait Omar, hein. Voilà, voilà. On te coupe comme il faut ici. À l'intérieur, c'est bon. Allez, le deuxième Omar et on n'en parle plus. T'es où, mec? C'est quoi ça? C'est quoi comme attaque ça? Je passe sur le côté. Boum! Boum! Voilà, et toi, on va te chlasser comme il faut. Voilà, les homards sont morts. C'est bon. On a fait cuire les petits homards. On est bien. Est-ce qu'il y a pas une petite grotte cachée là? 100% ils étaient en train de cacher l'entrée d'une grotte. Là, il y a une grotte cachée là. Y'a rien, dégoûté. Ok. Ah, j'avoue que j'ai la dalle moi aussi, j'ai rien à manger, faudrait que j'aille à la cantine Aldi après pour grailler. Je vais faire le tour du lac par là. Bon, ce homard là, je lui ai déjà montré tout à l'heure qui j'étais. Donc lui, j'ai plus besoin de lui montrer qui j'étais. On a tué tous les mobs qui nous ont tués, voilà, c'est la base. Comme je vous ai dit, moi, un mob qui me tue est un mob que je dois tuer par la suite. Ce n'est pas du tout de l'ego, c'est de l'ego. Wesh. Hop les...